Ici, il y a de sécurité. Il n'y a pas de la guerre. Notre place, c'est la guerre. Et ça fait 3 ans que je travaille, 4 ans. J'ai un contrat CDI. Je travaille toujours, toujours, toujours maintenant. J'aime beaucoup. Il faut travailler pour avoir une maison. Parce que si on n'est pas une maison, après, on ne peut pas ramener sa famille ici. Monsieur Lapin, l'oiseau regardait dans l'assiette de ses voisins. Dans notre école, on joue au foot et à cache-cache et à chat. Il faut toucher et après, c'est eux qu'il faut attraper. Et moi, je vais être le docteur de lunettes. Oui, je vais mettre des dentistes. Il y en a un tiers qui n'est pas loué depuis 10 ans, avec un chauffage collectif. Et donc des charges considérables pour l'ensemble de l'immeuble et un tiers qui n'est pas utilisé. Dès lors, une question, on le détruit ou on en fait autre chose. C'est là que l'idée d'un centre provisoire d'hébergement est arrivée. C'est nettement mieux comme ça maintenant. Ça commençait à être très dégradé. Alors bon, je sais que certaines personnes me demandent où j'habite. Donc bon, je leur dis que j'habite à la cité Briolle. « Oh mais t'as pas peur, t'as vu les migrants et tout ?» Ben non, j'ai pas de problème. L'arrivée d'un centre provisoire d'hébergement sur une commune rurale, c'est toujours complexe. Même si on est un petit peu préparé avant, même si on prépare les populations, le premier réflexe, c'est « on n'en veut pas chez nous ». Moi, j'étais comme tout le monde, comme tous les habitants, absolument contre cette idée. J'étais persuadée, par exemple, qu'ils touchaient 1 200 euros tous les mois, sans travailler, et qu'en même temps, ils avaient le droit à un logement gratuit. Donc déjà, dans un premier temps, il y avait vraiment cette incompréhension. Et une autre peur aussi, la peur de l'étranger, simplement, au niveau de la religion, de ne pas connaître ses religions. Il y a beaucoup de peur sur les viols des femmes. Et une autre incompréhension qui était, ils arrivent seuls, pourquoi ils laissent leurs femmes au pays? Ça faisait aussi partie des peurs. Pourquoi ils abandonnent leur famille? Ce qui a fait que ça a évolué, c'est le fait d'aller vers, pour savoir finalement ce qu'était la vérité ou de ce qui était du mythe. J'ai découvert un autre monde qui n'est pas celui qu'on peut entendre aux informations sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 1 200 euros tous les mois qui tombent. L'hébergement n'est pas gratuit, il y a des participations à l'hébergement. Il n'y a pas d'avion pour venir en France, il y a un vrai parcours qui est dangereux. Effectivement, quitter son pays en partant avec sa famille est beaucoup plus dangereux que déjà sécuriser le point d'arrivée. Mais c'est qu'en échangeant qu'on peut comprendre tout ça et apprendre. Quand j'ai été élue, j'étais aux archives. Et aux archives, il y a une petite case qui m'a un peu intriguée, c'était écrit « étranger ». Et là, je l'ai ouverte et j'ai découvert qu'en fait, il y avait entre 1962 et 1970 à peu près, énormément d'étrangers qui venaient sur notre territoire pour pouvoir aider à la construction du pont. Beaucoup d'Italiens, on y a beaucoup aussi de Polonais, de Portugais. C'est un peu comme si ça avait été oublié, alors qu'il y a des personnes qui sont venues ici en tant qu'émigrés, qui sont restées, qui sont installées, mariées et qui ne sont jamais reparties de nos communes. Tu fais celui-là et toi tu fais lequel? Celui-là. Voilà. Super. Le bénévolat, certes, ça a été ma vie entière, donc c'est le début de l'histoire. Mais là, maintenant, elles font partie de mon histoire et je partage la mienne avec elles, avec eux quatre. Là, maintenant, le chemin est pris. C'est au-delà de l'amitié, presque. Moi, je suis une mamie universelle parce que j'ai 7 petits-enfants, dont 3 au Canada, que je vois un petit peu moins. Une mamie universelle, c'est une mamie qui a un cœur qui est ouvert à tout le monde. Et ces deux petites filles-là, elles m'appellent mamie et elles sont comme si elles étaient mes petites filles. Elles sont quand même avec des
mamie qu'elles ne connaissent pas et qu'elles ne verront plus. La maman d'Yacine est loin, elle est en Afghanistan, donc elles ne la reverront plus. Moi, je ne peux pas pallier à ces absences-là, je suis juste là. On croise les gens dans la vie, on les aime, on les accueille. On ne se pose pas 36 000 questions du pourquoi, du comment, du à quoi ça sert. Non, non, c'est juste que c'est comme ça. Le cœur d'une maman comme le cœur d'une mamie, c'est universel et qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. Ils viennent râler, nous on se met en position d'écoute, et là on se rend compte que les populations précaires qui sont dans cette petite cité n'ont pas rencontré de travailleurs sociaux depuis des années. Et on découvre qu'on peut les accompagner tout autant qu'on accompagne les populations réfugiées. J'ai toujours été très bien reçue, j'ai besoin de faire des photocopies, ils me les font. J'ai besoin d'aide pour faire certains papiers, ils m'aident, enfin c'est très bien. Et c'est là le secret de France Fraternité et de cette expérimentation, c'est de ne plus travailler en silo. C'est de gérer les pauvretés de manière globale, c'est-à-dire que l'on accueille et on accompagne tout type de personnes et on va chercher les financements pour tous ces types de personnes et on agrège l'ensemble de ces financements pour en faire un tout. Le bus répond vraiment à une réelle demande. Une partie de la population vient régulièrement solliciter les intervenantes du bus fraternel pour des démarches administratives, mais pour aussi toute autre chose. Et c'est aussi un lieu de proximité où il peut y avoir un échange privilégié avec certaines personnes. Et je pense notamment à cette population invisible qui n'ose jamais solliciter le centre communal d'action sociale pour un tas de raisons, que ce soit par pudeur, par gêne ou par honte. Je pense aussi aux femmes qui pourraient être victimes de violences conjugales aussi, ou d'autres personnes qui pourraient avoir des soucis familiaux et justement qui pourraient facilement en parler ou tout du moins être détectées et pouvoir apporter une aide conséquente. Nous, on n'est pas forcément formés en CCAS à savoir répondre à toutes les attentes, puisque ce n'est pas notre métier d'origine. Donc, et c'est très bien d'avoir cet appui pour pouvoir œuvrer dans l'intérêt commun. Ce tiers-lieu, il a vocation solidaire, il a vocation à accompagner tous les publics. Mais c'est les publics les plus en difficulté qui viennent le fréquenter le plus facilement. On essaye de faire un mixte entre la maison des jeunes, entre le centre social, mais aussi avec le volet professionnel que peut apporter le médico-social. On mélange deux branches en fait, la branche animation et la branche médico-sociale. Ok, bah, du coup là tu vois c'est la grande salle, donc c'est la salle principale où tu peux venir quand tu veux, de 10h à 18h. Et tu peux juste venir pour boire un thé, un café, ou alors juste pour te poser au fond, on a des canapés. La cuisine, donc avec les micro-ondes, si tu veux, même si tu as quelque chose à faire réchauffer, tu peux venir, ok? Ok. Là, tu as la salle, dite la salle de psy. Donc en gros, on a une psychologue qui vient de temps en temps pour faire des consultations sur demande de personnes. Ici, tu as la salle de formation, de réunion, la salle pour faire des ateliers, bah, notamment informatiques. Samira aussi, regarde bien. Ok. Ah, on a besoin, ah, oui, ever, ça veut dire toujours, ok? Il faut ajouter l'eau. Pour toi, c'est allumé ou pas? Oui. Attends, attends, comme ça. Pour toi, c'est bon, Samira? Peut-être, oui, donc contrôle. Et après, toujours, on a répété indéfiniment. Mon métier en Iran, en principal, c'était menuisier. Et après, je travaillais dans plusieurs usines. J'ai jamais imaginé de devenir la personne que je suis maintenant. Nous humains, on pense qu'on ne peut pas, mais en réalité, on peut. En France, il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de chances, beaucoup de portes sont ouvertes pour les gens
de faire ce qui est bien pour eux-mêmes et pour le pays et pour tout le monde. Ici, en fait, ce que me plaît beaucoup, ici, spécialement dans cette association, c'est pour aider les gens en différentes manières. Et il y avait une dame, elle est venue il y a quelques mois, je l'ai fait une CV. Il y a quelques jours, je l'ai vue à côté d'un bus. Et elle m'a dit, vous me rappelez? J'ai dit, oui. Elle m'a dit, oui, regarde, je travaille maintenant. Et j'étais content de voir ce que je fais pour les gens. Il a quelque chose derrière. Grâce à la spécialisation du centre provisoire d'hébergement qui a 30 places sur les 80 pour accompagner les femmes victimes de traite, un personnel spécifique a été recruté. De fil en aiguille, l'ensemble de l'équipe était sensibilisée à la problématique femme et donc aux violences. Les femmes d'ici, comme les femmes d'ailleurs, peuvent vivre des violences. Très vite, l'alliance s'est faite avec la gendarmerie sur la compréhension des vifs, des violences intrafamiliales et la difficulté en milieu rural pour les gendarmes de trouver des solutions, voire même d'être sensibilisés à la problématique de l'accompagnement de ces femmes. Et donc on a proposé des places d'hébergement rapides dans nos dispositifs, un peu comme à table. Il y a toujours une place pour une personne. Et bien dans un centre d'hébergement, il y a toujours une place pour une personne de plus pour répondre à l'urgence. Nous nous sommes rapprochés de France Fraternité il y a déjà 18 mois environ, parce que dans le cadre de l'accompagnement des victimes, on avait souvent des situations de précarité et de personnes qui se trouvaient isolées, familialement ou pécuniairement également, hein, qui avaient une situation de détresse et qui, dès lors qu'elles entamaient une démarche à l'encontre du conjoint ou de la conjointe, n'avaient pas forcément de situation de solution de repli. Sur la première prise en charge et notamment l'hébergement d'urgence, l'apport de l'association France Fraternité nous a permis aussi de créer un lien de confiance entre la victime et l'intervenant, et le fil conducteur se poursuit après la démarche en gendarmerie avec cette association régulièrement. Donc il y a un accompagnement en fait a posteriori et un suivi de la victime. Aujourd'hui, c'est non seulement un service, mais c'est une vraie dynamique parce qu'on est aussi en relation avec les entreprises qui viennent vers nous pour trouver des employés parce qu'ils savent que nous, on est les premiers à rencontrer des gens qui ont besoin d'avoir un emploi. En termes de proximité, en zone de territoire, on est les premiers guichets où on reçoit du public. C'est-à-dire qu'à Bray-sur-Seine, Pôle emploi est à 25 km. Même les employeurs peuvent être en plus grande proximité avec nous par moment. Bonjour Yacine, ça va ? T'en roules bien, c'est bon ? Bon, nickel. J'ai la femme d'un collègue agriculteur qui s'occupait bénévolement du lab à Bray-sur-Seine, qui un jour m'a proposé de prendre quelqu'un ou d'essayer. Comme j'étais en panne de saisonnier, je me suis dit bah, pourquoi pas essayer. Je suis tombé sur Yacine, avec qui ça s'est très bien passé, qui est avec nous depuis 3 ans maintenant. Et voilà, quoi, ça se passe très bien. Donc c'est une vraie dynamique qu'on est en capacité de créer, et que ce soit sur les projets d'emploi, d'alimentation, comme tout tiers-lieu. Parce que c'est ça la magie d'un tiers-lieu. C'est qu'on fait du commun, on fait ensemble et on réfléchit ensemble à comment on aménage le territoire.